Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi L'Anthropodcast Mais c'est quoi l'anthropologie Une production Voyage Cast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur l'Anthropodcast, ici Jonathan, bienvenue dans l'épisode 5 d'Anthropodcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure Bonjour Jonathan Alors, tu collabores avec moi sur l'Anthropodcast, tu m'aides à faire les questions et à préparer les sujets. Tu es aussi anthropologue, tu es en préparation d'un documentaire, d'un web-documentaire au Brésil. On attend de voir ce qui va en sortir, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, et durant les quatre prochains épisodes, tu es en Invité sur Anthropodcast. Bienvenue et merci d'avoir accepté de participer. Merci à toi, Jonathan. Pour vous faire le pitch des quatre prochains épisodes, ces deux premiers épisodes seront consacrés à l'évolutionnisme en anthropologie, justement en sciences sociales. Et les deux prochains, c'est-à-dire les épisodes 7 et 8, seront consacrés à une grande anthropologue, Margaret Mead, mais on en parlera d'ici un mois. Alors, euh, Peut-être première question quand on évoque le sujet de l'évolutionnisme ou du structuralisme ou du fonctionnalisme, euh, c'est quelque chose qu'on entend euh, souvent parler, qu'on lit dans les livres d'anthropologie. Mais finalement, c'est quoi C'est des écoles de pensée C'est euh, je sais pas. C'est quoi exactement tous ces mots en isme bah, En fait, c'est un peu tout à la fois. Disons que bah, ça part toujours d'une théorie, donc euh, une théorie innovante, et puis à partir de cette théorie euh, se lance un courant. Euh, avec un nouveau champ de possibles qui s'ouvre pour la recherche, et ces courants s'expriment dans des écoles de pensée. Donc, en fait, c'est surtout une question d'échelle, mais, euh, mais c'est tout à la fois. D'accord. Est-ce que ces écoles-là, il y en a une qui commence, et puis elle s'éteint petit à petit pour céder la place à une nouvelle école de pensée, ou alors est-ce qu'elles vivent comme ça, ensemble, avec des gens qui sont plus d'une école et plus de l'autre bah... En vérité oui, elles cohabitent, elles sont apparues progressivement dans l'histoire de la discipline, mais euh, quand une nouvelle école naît, euh, celles qui l'ont précédée disparaissent pas forcément après, elles continuent à évoluer euh, chacune à leur rythme. Mais oui, quand un nouveau courant émerge, qu'il est pertinent, tu as, as tout un tas d'écoles qui se convertissent, qui suivent le courant, mais si euh, des années après tu as un autre courant euh, qui gagne en en force, ça ne veut pas dire que toutes les écoles vont tourner le dos à l'ancienne et rejoindre la nouvelle, quoi. Donc, du coup, il y a une cohabitation qui se fait et tu peux voir, par exemple, aujourd'hui, on a l'anthropologie du développement qui euh, se situe dans la lignée du diffusionnisme alors que l'écologie culturelle va plutôt être l'héritage de l'évolutionnisme et l'anthropologie politique, euh, le celle du structuralisme, quoi. Donc, euh, non, il y a vraiment cette cohabitation entre les différents courants. C'est intéressant, c'est une première chose à savoir sur l'anthropologie et c'est pour ça aussi qu'on va accorder quelques épisodes chaque fois à une école de pensée pour savoir un peu quelles sont les forces, les faiblesses et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous profanes. Alors dans cet épisode, comme je l'ai dit, on va s'intéresser à l'évolutionnisme. On va essayer d'un peu vous expliquer ce courant anthropologique, comment est-ce qu'on est arrivé à voir ce raisonnement-là. Et puis dans le prochain, on va exposer point par point en quoi cette théorie, elle est encore exploitable ou non. De nos jours. Déjà, pour commencer, l'évolutionnisme, je suis certainement pas le seul à penser à ça, ça nous fait tout de suite penser à Darwin. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que je suis complètement faux Si, il y a un rapport, t'es pas dans le faux, euh, bah, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la temporalité, parce que l'évolutionnisme social et l'évolutionnisme biologique se sont développés à la même époque. Euh, après, on a beaucoup discuté justement de qui avait inspiré qui. Et on pense souvent que c'est Darwin qui a inspiré l'anthropologie, alors qu'en vérité, ça serait certainement l'inverse. Après, euh, pour expliquer brièvement euh, l'évolutionnisme donc euh, anthropologique, prend ses sources au XVIIIe siècle euh, avec un chercheur qui s'appelait Buffon, qui en découvrant des fossiles euh, a émis l'hypothèse en fait d'une euh, d'une histoire discontinue de l'humanité, ce qui faisait par conséquent entrer les sociétés. Euh, qu'on disait jusque-là sauvages dans l'histoire, alors qu'on les voyait vraiment ahistoriques jusqu'à ce moment-là. Donc, ça, ça a été les, vraiment les prémices du courant évolutionniste qui aurait d'ailleurs aussi inspiré Darwin après dans ses travaux. Et donc, voilà, il y a eu cette, cette première base. Et puis ensuite, il y a une, comme une théorie qui a été basée là-dessus. En, en résumé, c'est quoi cette théorie exactement? Comment on peut l'expliquer en, en quelques phrases très rapides? La Théorie évolutionniste, alors en quelques mots, c'est euh Penser que toute l'humanité, euh, bon, on pensait, en, on pensait encore en termes de race hein, à l'époque, mais que toute l'humanité euh, est unie derrière une même histoire linéaire qui passe par plusieurs stades d'évolution. En gros, c'est ça. Et comme c'est une théorie qui a été euh, faite en Occident et que l'Occident à cette époque-là euh, s'industrialisait et voyait son progrès euh, technico-économique comme euh, la source de civilisation et eh ben forcément il s'est mis tout en haut de l'échelle et les autres tout en bas. D'accord. Donc si je vois juste à l'époque les sauvages, ils sont foncièrement bons. Il y a cette idée oui du bon sauvage qui est né avec le siècle des lumières tout ça, mais en même temps, il y a deux facettes parce que autant d'un côté on les voyait comme des bons sauvages, autant de l'autre, c'était juste des paresseux, des idiots, enfin euh, dans les colonies, c'était pas forcément toujours euh, une image euh comment dire, euh, ça, ça devenait péjoratif, quoi. Après, euh, ce qui a vraiment changé avec l'évolutionnisme, c'est vraiment cette idée de fixité des sociétés sauvages, quoi. Euh, on les voit toujours dans un stade proche de l'animal. Mais euh, ce qui change, c'est qu'on entrevoit chez lui une évolution dans le temps, quoi. Alors que jusque-là, il y en avait pas. Donc euh, c'est là qu'on commence à parler de reliquats, de l'âge de pierre, euh, de primitifs, euh, parce qu'on voit dans ces sociétés en fait le témoignage de notre propre passé, ce qui en réalité est faux, parce que chaque société évolue sur euh, le chemin qui lui est propre, quoi. Mais ça, on l'a découvert plus tard. Et donc il y a un peu les peuples inférieurs, comme tu l'as dit, et puis les peuples supérieurs, qui sont en l'occurrence l'Occident, qui sont euh, supérieurs. Euh, technologiquement on va dire c'est ça donc euh, du coup il y avait une espèce de hiérarchisation euh, qui euh, mettait en parallèle des caractéristiques alors euh, tu as toujours les caractéristiques donc des, des peuples supérieurs c'était par exemple la raison scientifique alors qui était opposée pour les sauvages au raisonnement enfantin euh, la démocratie qui était opposée à l'anarchie, la tyrannie, la propriété privée euh, qui était opposée au, au communisme primitif, en gros, voilà, c'est toutes les caractéristiques des sociétés occidentales, elles étaient utilisées comme référents positifs, comme modèles de civilisation. Et tous les préjugés assignés aux autres types de sociétés, ils servaient de référents négatifs, quoi. Donc, ça reflète bien le complexe un peu de supériorité occidentale euh, qu'il y avait à l'époque et qui n'a pas, tota, pas totalement disparu aujourd'hui. Quand, quand tu parles de ça, en fait, c'est entendu qu'une race primitive, elle allait forcément évoluer vers euh, une race, euh, enfin pas une race en l'occurrence, mais... Un stade d'évolution euh, sur la, la même ligne évolutive que l'Occident, quoi. On lui voyait pas d'autre fin. Quelle que soit la société, elle arriverait au même stade, et justement c'est là que ça, ça devenait paternaliste, parce que dans les colonies, du coup, il y avait cette volonté de faire évoluer euh, les sociétés dans la voie qu'on leur avait choisie, quoi. D'accord, oui, c'est intéressant comme façon de voir, on va dire. On peut quand même dire que ce qui y a d'intéressant dans l'évolutionnisme justement c'est que du coup c'est primitif ils sont quand même de la même race que nous et vont quand même subir, entre guillemets, la même évolution, encore une fois, entre guillemets, mais ils font partie de la même race. Bah, ça, euh, pendant un temps, à l'époque de l'évolutionnisme, c'était pas encore vraiment acquis. Hein. On pensait encore vraiment en termes de race parce que faut pas oublier que c'était la grande période de l'anthropologie physique. Donc, l'anthropologie qui mesure les crânes, qui mesure les corps et qui, en fonction de ça, euh, va assigner certaines caractéristiques euh, aux, aux sociétés quoi et du coup on pensait vraiment encore en termes de race mais on catégorisait ces races à l'intérieur des euh, des nouvelles euh, ouais, des nouvelles catégories euh, évolutionnistes comme il y avait encore cette notion de race elle a mis quand même pas mal de temps à, à, se, à se décomposer. Hein. Tu as mis une phrase dans le, dans le document de Levi Strauss qui est, euh, qui est assez intéressante alors Levi Strauss dont on va forcément <laughs> euh, souvent évoquer sur l'anthropodcast mais je te laisse le lire comme dirait lévi Strauss, l'évolutionnisme social n'est trop souvent que le maquillage faussement scientifique d'un vieux problème philosophique. Et il rajoute qu'il n'apporte tout au plus qu'un procédé séduisant mais dangereusement commode de présentation des faits. Donc voilà, ça résume un peu toutes les critiques qui ont pu être faites à l'évolutionnisme a posteriori, quoi. Oui, dont on va parler dans le prochain épisode. L'évolutionnisme, il est né aux États-Unis. Tu as dit avant que justement ces écoles de pensée, elles étaient euh, souvent présentes, les unes à côté des autres, et donc cet évolutionnisme, il est encore présent, principalement aux États-Unis, c'est vrai Bah aux États-Unis, oui. Donc ça a évolué, hein, ça s'appelle plus vraiment évolutionnisme, on va appeler ça euh, écologie culturelle ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que là-bas, c'est encore assez prégnant, quoi. On, on est encore dans une certaine manière de concevoir les sociétés qui est vraiment différente de ce que tu vas pouvoir trouver dans des écoles françaises, allemandes ou, ou anglaises, quoi. Il y a un autre anthropologue aussi qui a théorisé un peu sur l'évolutionnisme en anthropologie, qui s'appelait Lewis Morgan, et qui a classifié un peu les étapes du développement des sociétés humaines. Et c'est assez intéressant de s'y arrêter, justement. Tu peux nous en dire plus? Bah, alors déjà, pour dire brièvement, donc, Lewis Morgan, donc, un américain, donc, c'est l'un des premiers anthropologues à être parti sur le terrain. Donc, c'est un précurseur de l'ethnographie moderne, parce qu'avant, on utilisait des données de seconde main. On n'allait pas forcément sur le terrain pour faire des théories. Et donc voilà, il a fait une, une monographie sur les Iroquois euh, au milieu du 19e siècle, qui l'a amené à s'intéresser à la parenté. Et de là, il a constitué une théorie voilà, avec trois stades de l'humanité, euh, qui sont rien de moins que la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. D'accord. Et c'est quoi qui différencie euh, ces stades-là Alors ça va être euh, l'acquisition de certaines techniques qui vont euh, montrer euh, le passage d'un stade à un autre. Donc dans chaque stade, tu as trois sous-catégories inférieure, moyenne et supérieure. Et alors, par exemple au stade de la sauvagerie, le niveau inférieur c'est celui de la cueillette et du langage articulé, donc c'est censé être la base de l'humanité. Le niveau moyen c'est la découverte du feu et de la pêche, donc euh, là il rangeait tout ce qui était aborigène, polynésien, euh, voilà. Au stade supérieur, euh, c'était l'usage la, de l'arc et des flèches, donc il mettait tout ce qui était amérindien. Puis après voilà ça continue donc euh, le, la barbarie niveau 1 ça va être l'invention de la poterie le niveau 2 c'est l'usage de la pierre en architecture la domestication de l'animal l'agriculture irriguée et le niveau 3 la fabrication du fer et donc pour finir brièvement donc la civilisation euh, dont l'Occident euh, serait euh, le représentant légitime débute avec euh, l'apparition de l'alphabet phonétique et l'écriture donc, en fonction des techniques de chaque société, voilà, il est catégorisé euh, dans ces euh, différents stades. Quoi. Mais bon, comme le disait Lévi-Strauss, euh, le barbare, c'est avant tout celui qui croit en la barbarie. Pas mal. Bonne citation. Parce que je, ce que je trouve assez amusant, entre guillemets, hein, on va dire, euh, oui, psychologiquement, quand on, quand on en parle, c'est que par exemple, on s'imagine euh, voilà, les sauvages euh, supérieurs qui ont des arcs et des flèches. Tout d'un coup, euh, le gars euh, apprend à faire de la poterie et hop, il passe en mode barbare. Ouais. Quoi. Je trouve ça assez étrange. Enfin, c'est peut-être un peu brut de forge, comme je le dis, mais c'est quand même un petit peu l'idée. Bah, oui, c'est exactement ça. Bah, C'était vraiment une période où on se questionnait beaucoup sur l'altérité. Et et, et l'évolutionnisme et ce genre de théorie c'était un peu la réponse facile quoi c'était le moyen facile de, de comprendre l'autre mais avec euh, son propre regard et beaucoup d'ethnocentrisme et du coup euh, ça donnait euh, ça donnait des théories un peu un peu oui, cette théorie d'ailleurs, elle a, elle a évolué hein, un peu. Il y a des gens qui ont rajouté des choses dessus justement pour mm -hmm. la classification. On parle par exemple d'organisation sociale, de famille consanguines ouais. euh, comme justement critère. Il y a Edward Tyler aussi, on peut peut-être en dire juste un petit mot euh, parce qu'il a contribué aussi à une partie de ça. Bah oui, c'est justement lui qui aurait peut-être inspiré Darwin. Et euh, lui, alors son truc, c'est d'essayer de, de reconstruire l'évolution de la religion en prenant en compte l'interaction des sociétés. Euh, dans ses travaux et euh, c'est ce qui en fait aussi un précurseur du courant qui est apparu après le diffusionnisme. On en parlera certainement plus tard, mais voilà. Donc euh, il faisait encore un peu évoluer la théorie de, de Morgan là-dessus. Merci de nous avoir fourni ces informations-là. C'est assez intéressant. On va retenir donc que l'évolutionnisme, voilà, c'était pas nécessairement tiré de Darwin. Alors, il y a toujours peut-être euh, des gens qui pensent ça, mais en tout cas, c'est, voilà, c'est intéressant de savoir que c'est un peu deux courants qui sont sortis en même temps et puis qu'on a commencé à théoriser là-dessus. Et puis, je trouvais intéressant, justement, euh, cette façon de, de classifier euh, les gens et les cultures en sauvages, barbares et <laughs> la civilisation qui est toujours euh, nous. Enfin, je trouve ça, euh, je trouve ça étrange et en même temps, euh, chers auditeurs, réfléchissez, c’est je pense que c’est un réflexe qui peut arriver très, très vite, mm -mm. même quand on voyage, justement, euh, de classifier et de s'estimer supérieur. C'est souvent le cas. On passerait en volontiers encore beaucoup de temps à vous en parler, mais vous le savez, on essaye de se limiter à 15 minutes et on est à peu près dans ce temps-là. En tout cas, c'était très intéressant, Anne-Laure. Et puis, dans deux semaines, donc, on va parler de l'évolutionnisme, de sa portée et puis de ses limites aussi, parce que bien entendu, elle a des limites, euh, cette théorie. Et puis, euh, ben voilà, en deux semaines, réfléchissez là-dessus et pensez aussi à Justement, à votre regard sur le monde. Est-ce que ça se rapproche de votre regard sur le monde ou pas? En tout cas, c'était très agréable, Anne-Laure. Et puis on se dit à dans deux semaines. À dans deux semaines!